tous, c'est Jean-Philippe pour Sport et Vie Pratique. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour voir comment on peut publier un article sur Overblog. Donc, bien sûr, vous vous rendez sur votre tableau de bord de Overblog et puis vous allez cliquer sur Rédiger. Voilà. Je vais commencer à mettre un titre. Donc là, moi, ça va être une recette. C'est une mousseline de chou-fleur. Ensuite, là, voilà, Overblog m'avait proposé une section. Donc là, voilà, je vais la supprimer en cliquant sur la croix. Et puis, je vais en ajouter une autre, puisque moi, je commence toujours mes articles généralement par une image. Donc, je clique sur Images. Et là, je vais cliquer sur Choose Files, c'est-à-dire que je vais aller choisir mon image. Moi, je l'ai préparée, elle est sur mon bureau. Donc, j'ai une image qui correspond, bien sûr, au contenu de mon article. Donc, je vais aller la chercher. Voilà, mousseline de chou-fleur. Là, l'image est en train de se charger et on la voit effectivement apparaître ici. Ensuite, eh bien, je vais mettre du texte. Voilà, donc je vais choisir la formule texte plus. Là, et moi j'ai préparé ce que je fais mes articles. Alors, soit vous écrivez dans la fenêtre, hein, tapez, hein. Ou alors, moi ce que je fais, c'est que j'utilise soit Word, soit OpenOffice. Eh bien, je prépare mon texte avant. Donc voilà, je vais aller le chercher sous Word. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner le texte que je veux publier. Donc, soit je fais un CTRL-C, ou soit je vais faire un copier. Je vais cliquer sur copier. D'accord? Donc, ensuite, je retourne sur mon Overblog. Et là, le plus simple, je fais un CTRL-V. Voilà. Et j'ai mon texte qui apparaît. Donc, ça, c'est la première solution. Donc, là, ce que je vais faire, je vais enlever le texte que je viens de mettre. Je vais vous montrer comment on fait avec la formule copier. Donc là, je vais sélectionner le texte et puis je vais ici copier et je vais retourner donc sur Overblog. Et là, vous avez un petit icône bien marqué si vous mettez dessus avec votre curseur Paste from Word. C'est-à-dire qu'on va coller à partir de Word. Donc là, eh bien, on va me dire de faire CTRL V. Voilà. Et je fais OK. Et voilà, on a le même résultat. Je trouve que l'autre version, elle est plus rapide. Donc là, la première chose qu'on peut faire, eh bien, ça va être de changer la taille de la police. Donc là, moi, je mets sur ce blog-là, je le mets en 16. Donc j'ai surligné mon texte et je vais cliquer sur 16. Ensuite, la couleur grise, bon, c'est sympa, mais je préfère que ce soit un peu plus foncé. Donc je vais cliquer sur Black, sur Noir. Voilà, et mon texte, voilà, est en 16 et passé en noir. Donc là, j'avais déjà effectivement un titre, un ingrédient pour une portion qui était en gras. Hein. Donc je vais faire la même chose. Là, pour préparation, je vais le mettre en gras pour qu'on le voit bien. Et bien là, je vais cliquer sur Bold, le B, et ensuite, vous allez voir. Voilà, préparation est passée en gras. Alors ensuite, là, en fait, bon, c'est une recette que j'ai déjà réalisée sur un autre blog et je veux envoyer des gens sur un autre blog. Donc, j'ai mis préparation, suivez ce lien. Donc, je vais insérer un lien. Donc, le lien, j'avais préparé aussi, c'est celui-ci. Voilà, je fais la même opération que tout à l'heure. Hein, je fais un CTRL-C et puis je vais aller ensuite. Alors là, vous avez un petit icône ici, c'est pour les liens. Je vais cliquer sur le lien et je vais cliquer CTRL V. Voilà. Et puis je vais faire OK. Et vous voyez que eh bien, le lien est surligné. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont cliquer là-dessus, eh bien, ça les emmènera sur mon autre blog. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais aussi que mon lien ressorte. Donc je vais lui mettre une couleur rouge. Voilà, parce que c'est comme ça que je fais sur ce blog-là, et je vais le mettre en gras. Voilà, donc ce qu'on peut faire, eh bien, c'est aller jeter un œil pour voir ce que donne mon article. Donc voilà, c'est en train de se charger. Alors, je peux prévisualiser effectivement ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai bien mon image, et puis j'ai mon texte ici, et mon lien que je viens d'insérer.
Donc, on va retourner sur notre mise en forme, notre mise en place de l'article. Ce qu'on va faire, alors si je veux ajouter, par exemple, alors je peux ajouter plein d'autres choses, je peux ajouter des citations, des vidéos, de l'audio, etc., des fichiers. Donc, je peux insérer tout ça. Par exemple, je veux insérer une vidéo YouTube, et bien, soit je vais faire vidéo ici, et là, vous allez sur YouTube. Et puis, ben, vous mettez le lien. Ben, tiens, on va le faire d'ailleurs. On va aller chercher un lien d'une vidéo que j'ai sur YouTube. Voilà, je sais pas, je vais prendre une de mes recettes au hasard. J'en ai plein, donc j'ai le choix. Allez, je vais prendre des guillettes de canard rôti au miel. Elle démarre. Donc là, vous voyez, vous avez un petit onglet partager. Donc bah, je vais copier, je vais faire mon CTRL C sur mon clavier et puis je vais aller l'insérer. Regardez, insérer le lien code HTML d'une vidéo. Voilà. Et puis bah, je vais faire CTRL V. Là, c'est en train de s'enregistrer. Voilà, la vidéo est en train de se mettre en place. Voilà. Comme ça, bah, quand vous irez. Les gens iront sur votre article, eh bien, et en cliquant sur la vidéo, ils pourront lire la vidéo sans aller sur YouTube. Oui, donc nous avons une deuxième possibilité pour insérer une vidéo. Donc là, je vais supprimer ben, l'insertion de vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je peux ajouter une section. Et là, on va utiliser le code HTML de la vidéo. Donc, comment je vais l'avoir? Eh bien, là, si je vais sur YouTube, par exemple. Sur l'onglet partager, eh bien, j'ai aussi la fonction intégrer. Et là, vous avez vu, vous avez un code HTML qu'il suffit de copier. Donc, moi, je fais toujours CTRL C et je vais aller le mettre ici. Voilà. Et là, bien, ma vidéo va être installée sur mon article. Ensuite, quelques petits réglages pour terminer. Donc là, on est en brouillon, d'accord? Donc on peut enregistrer au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, on a l'auteur, hein, vous pouvez changer le nom de l'auteur si vous voulez. Et là, moi, j'ai créé des catégories. Donc là, je vais mettre ça dans la catégorie entrée. Voilà, j'en ai déjà, vous voyez, une dizaine. Donc je clique sur Entrée. Là, vous avez la date, eh bien, où l'article a été créé. Et puis là, moi, j'ai bon, comme je suis branché sur les réseaux sociaux, eh bien, je vais partager automatiquement. Là, quand je coche bah, Facebook, Twitter et LinkedIn, eh bien, ça va, au moment où j'ai publié mon article, ça va être partagé directement et automatiquement. Là, j'ai 8 abonnés, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont abonnées. Ça c'est bien sympathique. Je vais autoriser les commentaires, donc bah, vous les autorisez ou pas, c'est vous qui voyez. Le jeu d'un blog, je pense aussi de partager avec les autres. Et là, je me suis inscrit eh bien, dans plusieurs communautés. Donc là, bah, j'ai publié dans cette communauté, dans la communauté recettes. Donc ça, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Le but du jeu, hein, au niveau des réseaux sociaux et des communautés, eh bien, c'est d'être de plus en plus visible pour que plein de personnes viennent voir votre blog. Donc voilà, je vais faire enregistrer. Et là, on me dit bien article enregistré, votre article a été enregistré. Donc là, je peux décocher, voilà, je peux faire sortir. Donc là, si je veux le publier, donc là, je suis, vous voyez, en brouillon sur la droite. Et puis là, eh bien, il y a l'état, c'est publié. Je vais cocher dessus, je vais cliquer dessus. Et puis, ben, j'ai plus qu'à cliquer sur publier. Voilà, votre article a bien été mis à jour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ben, voir ce que ça donne. Alors, on va faire aperçu. Voilà, donc là, j'ai bien ma photo, j'ai mes ingrédients, j'ai bien ma. On a bien la vidéo qu'on a mis. On va retourner donc sur notre tableau.
Alors là, oui, enfin, j'ai pas parlé d'une autre chose, c'est que vous pouvez aussi changer l'alignement de votre texte. Vous avez ici, voilà, je peux le centrer, il peut être aligné à droite, je peux le justifier. Alors là, oui, il y a quand même plusieurs possibilités. Donc ben voilà, je vais pas faire plus compliqué pour l'instant, puisqu'il y a d'autres fonctions. Mais je pense que vous pourrez les découvrir au fur et à mesure. Déjà, la base de ce tuto me semble intéressante pour pouvoir publier facilement son premier article. Oui, si vous avez des questions particulières sur la mise en place d'un article, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par le biais des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.